Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne Carte Oracle 17. Je suis ravie de vous retrouver pour la guidance de la semaine du 2 au 6 janvier. Je réitère mes bons voeux, chers amis Vierge, Taureau, Capricorne, pour cette année 2023. Que du bonheur, de la joie, de l'amour, que tous vos voeux se réalisent. Je ne parle pas fort, veuillez m'excuser, j'ai un petit rhume et ça gratte dans la gorge. J'ai peur de prendre une canne de toux. Veuillez m'excuser par avance. Alors, j'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année. Nous allons tout de suite regarder avec Monsieur Augure Blanc. Message, conseil, mise en garde pour votre semaine, semaine du 2 au 6 janvier. Nous regarderons avec le petit Lenormand deux cartes professionnelles, deux cartes finances, deux cartes sentimentales et deux cartes imprévues, surprise. Nous finirons avec Monsieur Béline. Mais tout de suite, voyons voir un petit peu ce Monsieur Augure Blanc nous dit pour lundi. Lundi, nous avons Genevis. Genevis, il nous dit qu'avec cette graine de chanvre, on pourrait être tenté de préférer l'illusion plutôt que d'être du concret. On a peut-être envie de mettre... ne pas vouloir prendre conscience de certaines choses. Et puis, certainement aussi que nos émotions vont être submergées. Alors, c'est pour ça qu'on essaye peut-être de fuir aujourd'hui le problème ou une situation difficile. Mais attention, parce que le retour à la réalité pourrait être amer. Donc, au lieu de le fuir, Genevis nous dit « affrontez l'épreuve aujourd'hui avec un esprit clair. Affrontez-le. Ce n'est pas bon, sinon ce n'est pas voilà, c'est pas bien de le rejeter. C'est un petit peu ce que nous dit Genevis, comme si vous savez, comme une autruche, quoi, on se met la tête dans le sable, c'est un peu ça. Alors, donc, évitez de faire tout ça. Il faut affronter l'épreuve aujourd'hui avec une situation, j'ai envie de dire, claire, avec un esprit clair. Mardi, nous avons sommeil. Sommeil, c'est un rapport au songe. Alors, il est vrai que quand on fait des rêves, on nous dit toujours de noter pour se rappeler de nos rêves. Je ne sais pas vous, mais moi, il m'arrive d'être réveillée par mon rêve et de me dire je noterai quand tout à l'heure. Et en fait, quand on se réveille le matin, eh ben, le rêve, il a disparu de la tête. On sait qu'on est arrivé, mais on ne se rappelle pas des grandes lignes. Donc, quoi qu'il en soit, il est vrai que nos rêves, de toute façon, nous ont toujours un rapport avec forcément... la vie, la journée, voilà. Donc là, ce qu'on peut aussi, si vous vous en rappelez, bien entendu, ce qu'il nous dit, Somia, c'est que si vous avez fait un rêve ou une pensée sombre ou un cauchemar, mais c'est bon de l'analyser, de se dire pourquoi, de fermer les yeux et de laisser son esprit vagabonder et se dire, il y a une raison, j'ai rêvé ça et ça et ça, essayer d'interpréter, c'est pas toujours facile, hein, bien entendu, hein. Mais pourquoi pas? Parce que son contenu peut être important, en fait. Donc, essayez de se rappeler de ses rêves, de ses cauchemars, de ses songes. Mercredi, on a Malencombre. Malencombre, on pourrait bien avoir un petit événement qui va nous contrarier dans cette journée. Bon, comme je dis toujours, avec peut-être avec ce caillou dans la chaussure, vous voyez. Alors, bien entendu, on n'aime pas être contrarié, hein, dans sa journée. Maintenant, ce que l'on vous dit, c'est tombé mercredi, c'est de rester concentré sur vos objectifs, sur votre projet, sur vos projets d'ailleurs. Et les obstacles, ils tomberont un à un. Voilà. Donc, ne pas se prendre la tête, on reste sur ses objectifs. Jeudi, nous avons Aphélie. Aphélie, on va peut-être se sentir mis à l'écart pour cette journée d'aujourd'hui. Ou à un moment donné, dans la journée, vous allez penser à quelqu'un qui est éloigné de vous. C'est également le côté que vous pourriez apprendre quelqu'un qui s'éloigne de vous. Un départ, un déménagement, hein, tout simplement. Ce côté positif avec Aphélie, c'est que vous aussi, vous pourriez vous détacher d'une personne peu appréciée ou vous pouvez aussi quitter une mauvaise habitude, vous voyez. Il y a également aussi ce que l'on peut vous dire aujourd'hui, c'est de vous en remettre aux faits,
au fait d'être objectif pour ne pas vous laisser submerger. Vendredi, nous avons hypnobate, somnambule. Cette carte somnambule, elle vous dit réveillez-vous en fait. Ouvrez les yeux, portez un regard neuf sur ce que vous devez faire, sur ce que vous devez entreprendre. Il faut aussi casser cette routine, une certaine routine mise en place. Hypnobate, il vous dit qu'il ne faut pas vous laisser bercer non plus par des douces paroles. Hein. C'est le moment d'agir aussi. Peut-être que vous avez fermé les yeux trop longtemps, vous vous êtes laissé bercer ou berner entre guillemets. Eh bien, il faut changer les choses. Voilà, c'est le moment d'agir aujourd'hui avec Hypnobate. Voilà, les amis, ce que vous pouvez voir avec Monsieur Augure Blanc. On va regarder maintenant avec notre petit Lenormand. Hop. Comment va se passer votre semaine du 2 au 6 janvier, nos amis Vierge, Taureau, Capricorne. Semaine du 2 au 6 janvier. Semaine du 2 au 6 janvier. Semaine du 2 au 6 janvier. Waouh, il y a du contrat dans l'air. Alors, est-ce que nous allons retrouver la santé, une certaine santé par rapport à une signature, un engagement? Il y a quelque chose qui se profile à vous, là. Quelque chose de bon, qui va être un partenariat qui va permettre une belle croissance, d'ailleurs. Peut-être aussi qu'on va fêter quelque chose. Hein. J'ai l'impression qu'il y a pour d'autres personnes... Et ça peut être tout simplement un problème à répétition, quelque chose qui revient, qui tourne, qui se met en place. Alors, quoi qu'il en soit, on a quelque chose de beau là qui arrive, qui permet une belle croissance, et peut-être en rapport avec un déplacement, un déménagement, un changement. En tout cas, il est question de bonheur, de joie à ce sujet. Peut-être aussi tout simplement un engagement également sentimental. Allez, deux professionnels. De financière, de sentimentale et de surprise imprévue. Et au dos, nous avons... Ah, elle a voulu rester. Un choix qui va être décisif au niveau sentimental, c'est dans le couple ou un engagement, un mariage, une demande en mariage, une promesse, un contrat, un pacte ou tout simplement dans la vie de tous les jours, il y a une hésitation peut-être par rapport à un engagement, une décision que vous devez prendre, qui concerne le changement, voyage, déménagement. Mais ça vous met un peu dans la confusion, parce que peut-être qu'il y a un choix qui va devoir être fait, que vous allez devoir prendre. Un choix tout à fait officiel d'ailleurs. Hein. Il va falloir légaliser les choses. Si c'est une demande en mariage, évidemment, on est un petit peu troublé, c'est tout à fait logique. Alors, le professionnel. Professionnel, on est bloqué, on se sent bloqué là, au niveau du travail. On se sent peut-être avec beaucoup, il y a beaucoup de travail, beaucoup de, c'est ce qui vous est, oula, 3, 4, il y a beaucoup de travail. C'est ce qui explique pour certaines personnes que vous vous sentez un petit peu peut-être submergé. Il peut y avoir aussi énormément de choses à mettre en place au niveau affaires. On peut voir aussi que vous avez un certain succès, mais votre vos succès se sont sans doute... ils arrivent, ils sont là, mais il y a eu un travail difficile hein, par rapport à ça pour obtenir du succès. Mais il arrive, hein, ce succès. Mais effectivement, il y a eu un travail harassant. Il a fallu lutter hein, pour arriver à avoir du succès. Mais enfin, vous avez un succès dans vos initiatives pour certaines personnes. Si vous êtes travailleur indépendant, vous avez un certain investissement. Mais il a fallu également, peut-être que c'est difficile de mener à bien cette transaction, cet investissement. Nous avons financièrement, waouh, financièrement, il y a quelque chose de beau qui se présente à vous, là. On est en train de quelque chose qui a été mis en place, peut-être, ou qui va être mis en place au mois de février, pour certaines personnes. Il y a de l'argent, là. Hein. On a une stabilité financière, on a quelque chose qui, avec cet ours, comme une comment je peux dire, une protection. Vous voyez ce que je veux dire? L'ours, c'est là. Pour moi, c'est la protection. Il peut être question d'une grosse somme d'argent qui arrive pour certains vierges, taureaux, capricornes. Ou en tout cas, il est question d'une certaine somme d'argent. C'est beau, hein? C'est vraiment... il est question... Voilà, je ne peux pas vous dire mieux. Il est question vraiment d'une certaine somme d'argent qui arrive là. Alors après, l'ours, attention, parce qu'on peut jalouser hein, votre... Et peut-être pas conseiller de trop parler de finances parce que c'est également... La jalousie, hein.
qui peut occasionner la rentrée d'argent peut occasionner de la jalousie. Je vais y arriver. En tout cas, quoi qu'il en soit, c'est quelque chose que vous désiriez vraiment profondément, peut-être. Et enfin, j'ai envie de dire, vous allez retrouver une stabilité financière. Alors, je sens que ça, la gorge gratte. C'est pénible, excusez-moi. Sentimentalement, est-ce que certaines personnes mettre fin à des amitiés, mettre fin à certaines connaissances aussi, sans doute, hein, en dehors du côté sentimental des choses, là. Oui, peut-être que c'est tout simplement, on a envie de couper certaines relations. Ou bien, on se rend compte qu'on est mal entouré au niveau compagnie. Tout simplement, c'est des compagnies qui sont pas, qui ne vous apportent rien, vous voyez. Certaines personnes n'ont peut-être pas envie d'aller se rendre aussi dans un lieu où il y a une réjouissance ou une invitation. Tout simplement également, ça peut parler à certaines personnes. Quoi qu'il en soit, j'ai l'impression que pour nos célibataires, il est vrai que est-ce qu'on n'a plus envie de faire la fête? Est-ce qu'on veut rester enfermé chez soi? C'est ça qui se passe. Ou bien pour d'autres, c'est plutôt l'inverse. La solitude prend fin et on fait la fête. On y va là. Il y a de la réjouissance pour certains célibataires, hein. On met fin en fait à son célibat, à son côté célibataire. Ouais, j'ai l'impression que pour certains, il y a la solitude qui prend fin là. Tout simplement en fait, hein. Prudence pour certains couples. Où il peut y avoir en fait l'annonce d'un divorce lors d'une réception, par exemple. Oui, tout simplement. Ou bien avoir envie de couper par rapport à un groupe de personnes qui étaient autour de vous. Et sans doute, ou des amis d'ailleurs, on a peut-être envie de couper par rapport à ça. Vous voyez ce que je veux dire? Sans doute que ça ne vous avez le sentiment que ça ne vous apporte plus rien de les fréquenter. On peut voir aussi qu'il est question d'une rupture, hein, tout simplement, hein, bien entendu, hein. Alors, l'imprévu, c'est un grand coup de chance qui va vous arriver, les amis. Il y a quelque chose qui arrive le soir, un soir, ou bien... quelque chose qui est mis en avant, mais alors c'est la grosse surprise. Je pense qu'il y a une inspiration subite, là, une chance subite qui va se passer. Le trèfle, c'est le coup de chance et la lune, c'est également la mise en lumière, c'est également les rêves qui se mettent en place. Alors peut-être que vous allez pouvoir mettre en place vos rêves, les amis, en lien peut-être avec des rêves passés d'ailleurs, hein. Mais en tout cas, on voit qu'il y a quelque chose qui va pouvoir... avoir lieu, qui va se mettre en place. Et vous avez une opportunité qui va se présenter à vous là. Alors, on va regarder un petit peu professionnellement. Hop, alors, les finances, j'en mets qu'une parce que c'est très beau. Franchement, ça sert à rien de fausser le jeu. Alors, attention, effectivement, hein, autour du travail, il y a une femme. Il y a une femme qui peut peut-être vous surprendre ou vous manipuler pour certaines personnes. Soyez prudent, vous a demandé beaucoup de travail. Vous a demandé certainement énormément de travail, oui. Elle n'a pas été très, très... elle vous a manipulé. Bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde, ça, hein, mais vous avez quand même, pour certaines personnes, cette femme... qui a sans doute, ça peut être une chef de service, une responsable, mais qui vous a demandé énormément de travail, qui vous a aussi peut-être, il y a longtemps que vous la connaissez, et je pense qu'elle vous a demandé énormément de travail. Ça a été compliqué quand même, hein. Après, elle vous a demandé de travailler durement. J'ai l'impression qu'il y a énormément de travail qui vous est demandé là pour cette semaine pour certaines personnes. Alors, c'est peut-être épisodiquement, c'est peut-être que pour cette semaine. En tout cas, j'ai un travail harassant avec une personne autour de vous qui ou vous manipule ou en tout cas cherche quelque part à vous manipuler.
Vous êtes lié aussi peut-être à votre travail, vous êtes lié peut-être à ce que vous êtes en train de faire, mais vous vous sentez bloqué hein, plus ou moins avec cette personne qui est là, qui peut vous bloquer aussi concernant peut-être vos finances au niveau travail. Hein. Quoi qu'il en soit, vous, ce que vous voulez, c'est retrouver un certain équilibre, mais en face de vous, vous avez vraiment, là, vous avez quelque chose, vous avez quelqu'un qui n'est pas très très honnête. Ça peut être un collègue, mais pour moi, je sens plus dans la hiérarchie, vous voyez. Je le sens plus dans quelqu'un qui n'hésitera pas à vous trahir à la première occasion. Et ça peut être dans des démarches, ça peut être dans énormément de travail qu'on vous a demandé. Ça peut être également, alors, vous pouvez vous retrouver également à devoir avoir des nouvelles, recevoir des nouvelles de cette personne. De cette personne ou bien quelque chose de nouveau qui se profile à vous là. À quelque chose de nouveau qui se profile à vous. Quelque chose, on va vous demander peut-être beaucoup de travail, beaucoup d'achat, de travailler peut-être un peu plus durement. Vous voyez ce que je veux dire? Financière, c'est beau, hein? Financière, là, bon, ça peut être la banque, hein? Donc on voit bien cette rentrée d'argent, on voit bien quelque chose qui vous touche, hein? Émotionnellement, il y a ce cœur, on voit bien qu'il y a une institution, là, ça peut être donc pour moi une banque, quelque chose qui va vraiment, une belle rentrée d'argent, en tout cas, qui va être mise à l'abri. Alors, sentimentalement, c'est pour vous, ma consultante, et il y a du stress. Certaines personnes mettent bien fin à des relations, à une ou des relation amicale, à une relation sentimentale. Peut-être aussi qu'on n'a plus envie de faire la fête ou de couper. On met peut-être fin. On était invité quelque part, on ne veut pas y aller. Pour les couples, j'ai l'impression aussi que peut-être on traverse une passe là un petit peu compliquée. Tout simplement parce qu'il va falloir prendre des décisions rapides concernant aussi peut-être certaines personnes autour de vous. Et ça vous stresse, tout simplement. Ça peut être dans le cadre d'un changement, d'une grossesse pour certaines personnes. Ça peut être dans le cadre d'un déménagement où il faut se rapprocher de l'autre personne, ou bien tout simplement les couples, hein, vous avez fait des projets et vous êtes en train d'observer la situation peut-être différemment ou autrement. Tout simplement parce qu'il va falloir aviser, j'ai envie de dire. Alors, la surprise, c'est que par rapport à cette fin, cette reconstruction, cette transformation, parce qu'avec ce trèfle, pour moi, c'est une transformation qui arrive là. Il y a des bonnes nouvelles qui vont se présenter à vous. Vous allez pouvoir mettre fin à quelque chose pour redémarrer quelque chose de beau. C'est la transformation. Quand je me plais à dire toujours que ce cercueil, il n'est pas que négatif, hein. On est aussi sur la transformation de quelque chose. Alors, pour d'autres personnes, bien sûr, il peut y avoir une situation, on va dire, de malchance qui se passe là, et vous allez certainement recevoir une mauvaise nouvelle le soir, la nuit, en soirée. Ça ne parlera pas à tout le monde. Il peut être question de mauvaises nouvelles de reçues également, en lien peut-être avec le sentimental, l'émotionnel là, hein. Bon, écoutez, ce sera que de toute façon quelque chose que vous avez mis vous en place qui va s'arrêter, mais j'ai pas le sentiment que c'est quelque chose qui va vous toucher, on va dire. En fait, pour moi, vous mettez, il y a des nouvelles qui vont arriver, la fin de quelque chose qui va vous permettre un renouvellement. Je suis bien sur la transformation positive. Hein. C'est quelque chose de bon, en fait. Il y a bien, c'est l'imprévu, c'est la surprise. Peut-être que vous n'y attendez plus à ce que ça se mette en place. Il y a bien quelque chose qui va prendre fin. D'ailleurs, vous allez la recevoir, cette nouvelle. Hein. Et vous allez pouvoir, de ce fait, la fêter, la transformation. Gros changement émotionnel, sentimental pour les personnes, là. Évidemment, hein. Attention, prudence au niveau, si vous faites des démarches également dans la vie de tous les jours, dans votre activité, par rapport à des personnes qui peuvent vous rendre visite également, qui sont plus ici pour savoir un peu où vous en êtes, par jalousie, que pour venir plus vous aider. Voilà, en tout cas, les amis, ce que l'on peut voir pour votre semaine, riche en événements, hein. Bon, on va regarder avec Monsieur Béline. Alors, Monsieur Béline, semaine du 2 au 6, semaine du 2 au 6 janvier, Monsieur Béline, semaine du 2 au 6 janvier, Monsieur Béline, semaine du 2 au 6, hop là, j'ai vu le départ, hein. Décidément, il y a beaucoup de mouvements, de changements. Alors, vous, mon consultant, il y a la famille autour de vous, là, mon consultant, il
Et il y a l'argent. Il y a beaucoup de discussions au niveau financier dans la famille. Et vous avez la protection car vous allez avoir, vous allez apprendre les choses, mais vous allez surtout agir intelligemment. Et vous avez une super protection concernant le financier dans le domaine familial. On a vu hein, qu'il y avait une grosse somme d'argent qui arrivait. Hein. Héritage, pour certaines personnes, comme on l'entend, évidemment, la somme d'argent peut arriver d'un héritage. Il peut y avoir aussi tout simplement par rapport à ce que l'on hérite. On hérite d'une façon de faire, d'une façon d'agir, d'une façon d'être. Bon, il y a bien quelque chose qui prend fin et regardez, c'est les plaisirs. Je ne la recouvre pas parce que de toute façon, c'est positif et on l'a vu dans le jeu. Il y a quelque chose, il y a une transformation pour vous, amis Vierge, Taureau, Capricorne, pour cette première semaine. Que ce soit dans les nouvelles, dans ce que vous allez faire, dans ce que vous allez entendre et dans ce que vous projetez. En tout cas, il y a bien quelque chose de beau qui se passe à vous. Il y a la fin et on retrouve les plaisirs. Voilà, les amis. J'espère que ce tirage vous a parlé, vous parlera, vous aidera. Je voudrais encore vous remercier d'avoir passé toute l'année 2022 en ma compagnie et d'être toujours présent pour l'année 2023. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Je vous souhaite et vous avant tout aussi une excellente semaine et je vous dis à bientôt.